Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne pour la deuxième partie de ce que nous avons commencé, de nouvelles révélations. Ce que nous allons dire ici risque de vraiment vous étonner. Une femme était en couple avec un revenant jusqu'à elle a eu des enfants. Sérieux? C'est ce que nous allons découvrir ici. Écoutons donc ce témoignage. C'est une fille qui avait connu un gars. Comme maintenant, comme la vie de maintenant, tu connais l'homme et puis tu ne veux même pas fréquenter. Comme je dis, ma maman me dit toujours en conseil que ma fille, je suis une maman, toi tu es une fille. Quand vous rencontrez un homme de nos jours, là, il faut dire à vos parents, on va aller regarder si le gars est bon ou pas. Parce que de nos jours, il y a trop de mauvaises choses. Les jeunes entrent trop dans la sorcellerie maintenant. Tu ne connais pas qui est qui. Demain, c'est ton âme qu'on vend quelque part, tu ne connais pas. La fille, là, elle a connu un nordiste. La vie, c'est pourquoi les nordistes sont toujours à Douala là-bas. Marché central, toujours avec une grosse boutique au marché central. Comme les filles ont les longs yeux, là, comme elle a connu le nordiste, on sait qu'elle a la mariage chez le nordiste. Pourtant, le nordiste était à mort depuis. Il était mort, ça fait 7 ans. Elle a fait 2 enfants, le nordiste. Je n'ai jamais compris. Est-ce que vous avez compris chez le nordiste que tu fais l'enfant, le nordiste, il n'est même pas dans son village? Mais elle était tellement aveugle, elle ne veut pas comprendre que les gens aiment tellement le mariage. Quand tu fais l'enfant avec eux, c'est direct du village pour le mariage. Elle est restée avec le nordiste là, 1 an, 2 ans, 3 ans. La troisième année qu'elle a le deuxième enfant, un jour elle s'est décidée, son mari voyage. Il allait dans son monde, quoi, en week-end, quoi, un congé. Elle était non, elle allait dans son village où il avait indiqué. Elle avait pris les photos et tout. Elle s'est rendue au nom du village où son mari l'avait indiqué. Elle arrive, elle avait cherché la famille, cherché la famille du mari. Elle rencontre mon premier. La maman était assise, elle au salon comme ça. Elle entre avec 2 enfants. Les soeurs du gars étaient sur le salon. Les soeurs demandent que ma chérie, tu es qui? Il dit, mais vous ne me reconnaissez pas. C'est avec vous que je pose souvent au téléphone pour ma belle famille qui pose avec vous. Pourtant, elle pourtant posait avec le monde des morts. Elle ne connaissait pas. Elle montre, elle dit que voilà vos petits-fils. Je ne sais pas comment les femmes, tu connais le monde des morts là, ils prennent le visage des gens pour causer avec elle. Mais c'est moi que vous posez sur ma voix. Je reconnais votre voix et tout. Elle dit non, on ne te connaît pas non. Tu es qui? Mais voilà votre petit, voilà tes petits-enfants. Elle dit que les petits-enfants encore comment? Elle dit je suis avec telle. Qui? Mais votre qui? Quel fils? Elle sort les photos, elle montre. Ses soeurs restent à terre comme ça. Comme sa mère avait été hyper tendue là, il y a une qui reste à côté de sa mère depuis que sa mère passe une crise cardiaque. Elle arrête sa mère, dit que l'autre soeur sort. Elle va prendre maintenant la photo pour avec quoi on a fait les enterrements et tout. Elle dit que le gars que tu montres sur la photo là, c'est celui que tu nous envoies ici là. Elle dit mais c'est lui mon mari non. Elle dit mais quel mari? Ta maman dit seulement que les enfants sont en quel âge? 2 ans et demi et 1 an. Tu as connu mon fils quand? Maman, ça ne fait pas 3 ans, on était ensemble depuis Douala. Maman, n'est-ce pas en posant? Qu'est-ce que tu posais avec qui, ma fille? Moi, je ne te connais pas où. Le gars avec qui tu causes là, on a sorti des programmes. En fait, chez les nourris, ils ne font pas trop de programmes. On a sorti, il y a un truc là, qu'ils avaient écrit. Il dit voilà ça, il est mort, ça fait 5 ans. Mon fils que tu as avec qui tu dis que tu as les enfants, il est mort, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, cette année, la fille est tombée vraiment. Elle est tombée, Emmanuel. Réanimation, boum, hôpital. Tic, 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 tic. 2 jours dans le coma, il se réveille. Elle dit, mon mari, remettez-moi mon mari. Ma mère dit que, pardon, laissez d'abord se réveiller, pardon. Pas qu'elle a fait quelque chose ici. Elle s'est rétablie tout. Elle est rentrée à la maison. On était assis, on était machiné. Le gars avec qui tu sortais est mort, c'est mon fils. Il est mort depuis 5 ans. Sa mère encore un nouveau deuil là-bas. Les petits enfants, elle regarde les enfants comme ça, elle dit que je vais commencer à considérer les enfants, c'est pour comment? Mon fils est mort, il a encore venu là, tout le monde fait 2 enfants. Comment ça? Elle dit que les choses de la vie, elle dit que rentrons chez moi, je vais vous montrer où je vais. C'est pour ça que voilà le cortège, où le cortège de la famille descend à Douala pour regarder où elle vivait. La maison où elle vivait, ça n'existe plus. La boutique où elle partait, ça n'existe plus. Tout, elle part même chez ses voisins. On dit que maman, tu sors d'où? On ne te connaît pas ici. Ou c'est dans son monde, un monde que lui il avait créé, qu'elle vivait avec lui. Oh. Les choses de dehors. Il dit que même partout où elle partait, on la reconnaissait plus. Le marché où elle partait, man, on la reconnaissait plus. Elle a seulement dit, hey, elle a seulement pris ses enfants, aller dans son village, on a travaillé sur elle.
on ne connaît plus si elle vient encore aujourd'hui. Voilà l'histoire. La leçon que j'ai tirée, c'est que quand moi-même je rencontre un homme dans ma vie, si je veux faire des trucs sérieux avec le gars, je ne peux pas présenter le gars à ma famille, mais je prends sa photo, je dis à maman que ma, voilà un avec qui je veux un truc, comment on peut faire. Elle n'est pas pratiquée, nous, on va regarder si la personne est bien pour moi, si la personne n'est pas dans un mauvais monde, si ne fait pas les choses louches. C'est comme ça que moi et mon esprit, deux dragueurs comme ça qui faisaient dans la secte, et étaient derrière moi, poum, 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 poum. Et vous voulez sortir, moi j'ai refusé. Je n'ai pas couché avec eux. Les deux là qui n'ont pas couché avec eux sont morts. Mais pourquoi tu précises? On t'écoute, non? Tu précises que tu n'as pas couché avec eux. Oui, non, il faut qu'on parle. Parce que quand tu couches avec un homme, quand tu apprends que le gars là est mort, il faut souvent prendre le sel, tu te laves avec. Non, je vous donne un mot et dis-moi, nous sommes des grandes personnes. Il n'y a pas d'enfant de moins de 18 ans. Si les enfants de 18 ans font déjà. Oui, c'est ça. C'est pas avec tous les hommes. Voilà. C'est pas avec tous les hommes qu'on vit ici. J'ai connu des gars m'ont dragué. Quand je vais faire des trucs sérieux avec toi, tu dis à ma mère, tu dis, ah ouais, voilà un gars qui s'est connu. Vraiment, il est derrière moi fort pour faire comme ça. Ma mère dit que ma fille, le devant est mauvais. Oh. Je ne peux pas t'inquiéter, tu es une jeune fille qui est belle. Mais sache que le devant est mauvais. Il est barré de lui comme ça, la semaine même pas que deux ans, les gars sont morts. Il était dans la secte. Même quand tu couches avec un gars, tu apprends qu'il est mort, même s'il n'était même plus avec toi. À l'instant que tu apprends sa mort, même s'il est mort, ça fait une semaine que tu as appris sa mort, même si c'est quand. On m'a conseillé, tu prends le sel, tu mets dans l'eau, tu parles, tu peux tout lire avec lui. Et même si vous êtes, parce que quand tu couches avec un gars, vous allez partager les énergies. Même si tu laves, tu parles, tu coupes tout le lien, même si c'est qu'il est passé dans son monde, encore lui demande de ramener quelqu'un, il ne te voit pas. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Ça veut dire que le monde est devenu autre chose, mes frères et sœurs. Le monde est devenu autre chose. Vous voyez ça? Mon Dieu. Allons-y, écoutez encore notre témoignage. C'est parti. Non, ça va très bien. Dieu merci. Au fait, je vais raconter une histoire qui m'a été raconté. Au fait, c'est pas... Bon. L'histoire, c'est que... D'abord, avant de commencer, je vais donner un conseil à nous, les femmes, surtout. C'est-à-dire, on le dit toujours, mais nous, on prend pas ça en considération, en fait. C'est-à-dire, tu es avec ton enfant à la maison, et puis tu frappes l'enfant la nuit, tu le mets dehors. Ou bien l'enfant pleure, tu le frappes, il sort seul, il s'en pleurait à côté de la maison, dans le noir et tout ça. Bon, moi, une fois, lors du décès de mon papa, on était allé au village. Ma grand-mère pleurait sans cesse. Et il y a une maman là qui a raconté une histoire comme ça, que sa sœur a vécue. Sa sœur n'avait que deux enfants. La plus grande, c'est-à-dire son plus grand enfant, c'était une fille. Et le deuxième était un garçon. Donc, un jour, son seul garçon est tombé malade. Elle pleurait, elle le soignait, ça n'allait pas, elle pleurait sans cesse. Voilà, donc, un jour comme ça, elle s'est endormie à côté de l'enfant. Et dans son rêve, elle voit une maman dans la case, dans une case bien animée, bien réchauffée, avec des jeunes filles, deux jeunes filles. Ils étaient en train de piler du riz. Voilà, comme on le dit, décortiquer le riz dans un mortier. Au village, quoi. Donc, elle a regardé jusqu'à... Et puis, il y a une maman qui a surgi de nulle part qui lui a dit, tu vois les femmes qui sont là-bas, là. Elle dit, oui, effectivement, je les vois, mais je ne sais pas qui sont-elles. Elle dit, tu as vu la plus âgée, celle qui ressemble à leur maman, là. Voilà. C'est la maman de ton fils qui est couchée ici, là. Et nos enfants qu'on met au monde là, dans l'autre monde, ils ont une maman. D'accord? Dans l'autre monde, ils ont une maman. Et donc, quand tu les maltraites ici, celle qui est là-bas, elle est triste. Voilà. Donc, le jeune étant malade, sa maman ici était tellement soucieuse. Et du coup, la vieille lui a montré, voici la maman de ton fils que tu as là-bas, là, dans la vraie vie. Là. Voici sa maman. Attends un peu. D'accord.
toi tu es où maintenant, tu es dans quel monde? Parce que moi je me suis pas embrouillé dans l'histoire. Tu es dans le monde, dans l'autre monde aussi, bien que dans l'autre monde, dans l'autre monde là-bas. Je disais que la vieille, elle s'est endormie, celle qui avait son fils malade dans la vraie vie, c'est dans notre monde. Elle avait son fils malade et elle cherchait, elle le soignait, ça n'allait pas. Et un jour comme ça, elle s'est endormie, toute fatiguée là, elle s'est endormie à côté de son fils, dans la vraie vie. Tu vois? Voilà, donc quand elle s'est endormie dans son rêve là, elle a vu une maman qui lui a montré dans l'autre, c'est-à-dire dans l'autre monde quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Voilà, dans l'autre monde qui lui a montré, mais dans son rêve surtout, qui lui a montré, regarde là-bas, tu vois des femmes qui sont là-bas. Et elle regarde, elle voit une mémé avec deux jeunes filles qui étaient en train de faire le ménage. Les jeunes filles étaient à côté, tout autour de la mémé, elles étaient en train de préparer et tout ça, tu vois. Donc elle a demandé à la vieille là, c'est qui sont celles-là? La vieille là lui a dit que ton fils que tu as couché à côté de lui là, c'est sa maman dans l'autre monde. Tu comprends maintenant? Voilà, c'est sa maman dans l'autre monde. C'est dit, tu vois les deux jeunes filles là, ce sont les femmes qu'elle a cherchées pour son fils. Et donc, il doit revenir pour venir marier ces femmes-là. Je me fais comprendre? Voilà, c'est-à-dire qu'il doit revenir, c'est-à-dire qu'il doit mourir pour aller dans l'autre vie, pour aller marier ces femmes. Voilà, donc la maman elle dit, mais là je vais faire quoi? Puisque moi c'est mon seul fils. Je ne veux pas qu'il parte. Hein? Je ne veux pas qu'il parte. La maman lui a dit, bon, je vais te donner des traitements. Tu vas aller soigner ton enfant. Mais il aura un seul totem dans sa vie. Dans la vraie vie, quand il va guérir, là, il aura un seul totem. Il ne faut jamais qu'il grimpe à un papayer. Voilà. Donc, le jeune, sa maman, la vieille en question a montré les trucs à la vieille, à la maman du jeune. Quand elle s'est réveillée, elle a soigné son... Elle est allée chercher les médicaments, elle a soigné son fils. Et il s'est rétabli. La vie a repris son cours, puisque c'était... En tout cas, il savait jouer le football. Ses amis dans le village étaient déjà tristes, mais quand il s'est rétabli, ils étaient contents, ils sont allés jouer au ballon dans les villages et tout, et tout, et tout, et tout. Jusqu'en pendant au moins 2 ans, 3 ans comme ça. Et là, sa maman l'a fait asseoir, après sa guérison, quand elle a fini de le traiter, il est guéri. Elle a fait asseoir pour lui dire, ah, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas grimper sur un papayer. Tu comprends? Il ne faut pas grimper sur un papayer. Et le jeune, entre les jeunes, il s'est dit, les années plus tard, il a oublié. Des années plus tard, il est devenu adulte et tout ça là. Un jour là, ils sont allés jouer ballon dans un village. En plein midi, en groupe, ils étaient en train de partir sur la route, il avait un papayer, puis il y avait une papaye qui était mûre là. Il a couru, il a grimpé, il a cueilli. Et quand il est descendu, son ami lui a demandé, mais toi tu avais pour thème de grimper sur un papayer, non? Ou bien tu as oublié? C'est là qu'il s'est souvenu. Mais il était déjà trop tard. Ils sont allés jouer dans le village en question. Ils sont allés jouer au football, mais arrivé là-bas, lui, il est tombé malade. Et puis, ils l'ont ramené au village. Et ils l'ont ramené au village et il est décédé après. C'est pour dire que quoi? C'est parce que la maman en question a dit, comme conseil, il ne faut jamais frapper son enfant la nuit pour le faire sortir de la maison. Ou bien chasser son enfant, surtout la nuit. Voilà, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dehors, surtout dans les villages. Pendant la nuit, tu chasses ton enfant ou bien tu le frappes, tu le poursuis, il sort de la maison. Et il est en train de pleurer dehors, à côté de la maison. D'accord. Merci beaucoup, Charles, maintenant, pour l'histoire. Mais sauf que j'aimerais apporter une petite précision ici. Quand tu dis il avait pour totem, le totem, ce n'est pas, c'est pas comme ça. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Pourquoi est-ce que se passe dehors, hein? C'est hors du commun, nous allons écouter encore un autre témoignage. Travail lequel qu'on a pour le faire. Là, en même temps, parce que ça va. Je leur ai donné le biberon et là, ils dorment. Ok, maman.
Donc, c'est une histoire racontée par ma collègue. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de trois vieilles qui étaient au village. Et ces vieilles, elles sont tombées malades ensemble, toutes les trois. Et nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, chez nous ici, il fait chaud. Tout le temps, les vieilles se sont plaintes pendant 2 semaines. Elles disaient qu'elles avaient froid, qu'elles voulaient qu'on leur donne des manteaux pour porter des manteaux. Des manteaux en Afrique, on n'a pas compris. Jusqu'à ce que l'une décède et il y a l'une qui a décidé de se confesser pour dire pourquoi est-ce qu'elles avaient vraiment froid. C'est-à-dire, elles ont pris un avion mystique. Elles sont allées en Europe. Elles partaient au Canada pour tuer l'un des fils de l'une des trois vieilles. Et quand elles sont parties mystiquement au retour, il y a eu, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, une sorte de déluge de neige sur leur avion là, mystiquement. Et puis l'avion s'est embourbé dans la neige, mystiquement. Et donc quand elles sont sorties, elles sont sorties de leur avion mystique, l'avion là s'est perdu dans la neige là-bas. Et le lendemain, elles ont cherché l'avion pour revenir, elles n'ont pas trouvé. Et donc physiquement, lorsqu'on les voit le matin, elles sont là, elles sont en train de grelotter, elles ne peuvent pas expliquer pourquoi est-ce qu'on est en train de grelotter alors qu'on connaît la température en Côte d'Ivoire. On se retrouve aux environs de 32-33 degrés. Jusqu'à ce que l'une meure de froid. Et selon ma collègue, toutes les deux autres, elles sont mortes. Hein. Elles n'ont pas pu supporter. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que l'avion, là, il a fait un crash. On ne sait pas si c'est des prières. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces trois vieilles, là, sont mortes de froid, pratiquement gelées, parce qu'elles avaient essayé de tuer quelqu'un en sorcellerie. Donc, c'est la petite histoire. D'accord. Ouais. D'accord, mais... Tu voulais aller tuer quelqu'un dans la sorcellerie. Sérieux? Vous voulez aller tuer quelqu'un qui se trouve en Europe alors que ce jour-là il neige. Sérieux? Vous n'avez encore rien vu. Je suis allée au village, j'étais encore petite. Et dans le village, c'était chez ma maman, il y avait une de mes cousines là. Elle était malade tout le temps, elle était malade. On ne savait pas ce qu'elle avait. Elle était amaigrie et tout ça. Et souvent même, excusez-moi, quand elle s'assoit quelque part, elle s'élève, c'est mouillé. On ne sait pas pourquoi. Jusqu'à... Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si elle pissait. Mais un jour, quand sa maman l'a fait asseoir pour lui demander, mais tu as quoi? Tu n'es pas enceinte, tu as quoi au juste? Elle est venue à Abidjan ici, chez un parent à Bobo. D'accord? Qu'elle est venue à Abidjan en tant que jeune fille. Elle avait 18 ans. Elle est sortie de la maison un jour et elle a passé une semaine dehors. Elle a passé une semaine dehors sans qu'on ne sache où elle était partie. Et après, quand elle est revenue à la maison, sa tante l'a fait asseoir pour lui demander où elle était. Ils l'ont grondée, tout. Elle n'a pas dit où elle était. Bon. Ils ont laissé passer, mais des jours après, sa santé se dégradait. Sa santé se dégradait et on ne sait pas ce qu'elle avait. Donc, sa tante, elle pensait qu'elle était enceinte. Sa tante lui demande, mais tu as quoi au juste? Depuis que tu as fait une semaine dehors, là, tu es revenue, là, tu n'es plus la même. Hein, qu'est-ce que tu as au juste? Dis-moi. Ou bien tu es enceinte? Elle dit, elle ne sait pas. Donc, la tante la prend. Elle lui dit, bon, ok, allons où tu étais là, le monsieur chez qui tu étais parti là, allons la dernière fois là, allons tu vas me conduire là-bas, je vais causer avec lui, s'il s'agit d'un cas de grossesse, il va assumer. D'accord? Donc, la tante l'a accompagnée, j'espère que tu me suis, hein, parce que tu bouges beaucoup là. Je suis. Et elle lui a dit, bon, comme tu es resté longtemps dehors, une semaine, c'est pas 2 jours, c'est pas 1 heure, donc allons, on va voir chez qui tu étais. Elle a suivi, sa tante l'a suivi, ils sont venus dans une cour comme ça, et puis il y avait une maison dedans, deux chambres salon, un truc comme ça. En tout cas, une cour dans une cour fermée, voilà. Donc, ils ont demandé, ils ont salué, ils ont demandé aux gens de la cour. Et ma fille dit qu'elle était ici la dernière fois, ça fait une semaine aujourd'hui.
Bon, ça fait 2 semaines puisque elle était ici. Elle dit elle a fait 1 semaine dans votre cour ici. Les gens de la cour disent qu'eux, ils ne l'ont pas vue. Ils ne connaissent pas la petite en question. Elle dit non, que j'étais dans la cour ici. J'ai fait 1 semaine dans cette maison, la maison qui est fermée là. Le propriétaire est où? Et c'est là, il y a une femme qui prend la parole pour dire, comment on appelle ça? Que le monsieur qui habite dans cette maison là, ça fait 3 ans, moi je suis dans la cour ici, on dit il est décédé. Mais moi, quand je suis venue, la cour, la maison se fermait déjà. Personne n'a jamais habité dans cette maison. Donc moi, je n'ai jamais vu quelqu'un habiter dans cette maison. Elle dit, c'est là, là, elle était. Donc, les gens ont conclu que la petite a accouché avec un revenant. Et après, quand elle est partie au village, où moi j'étais au village en ce moment-là, quand ils ont fini, elle est tombée malade et tout, et puis après, elle est décédée. Donc, je suppose que c'est effectivement avec le monsieur qui était dans la maison, qui est mort là, qu'elle a accouché et elle a fait 1 semaine avec lui. C'est mon histoire. Bonne soirée à vous. Vraiment, ce monde-là, c'est pas la peine de... Vraiment, les gars, mes frères et sœurs, soyez très vigilants. Arrêtez de draguer les filles que vous ne connaissez pas dans la rue. Menez des enquêtes d'abord pour savoir quel est leur état d'âme. Sinon, vous allez tomber sur des démons ou des revenants. Ha!